Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Farming 7. J'ai vraiment plein d'informations sur ce qui va se passer prochainement. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va très très bien. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de vidéo mardi et vendredi. Car bien sûr, je passais le brevet. Je passais le brevet jeudi vendredi. Maintenant, ce qui reste à attendre, c'est les résultats. Voilà. Sinon, je voulais vous dire que j'ai décidé sur Belgique profonde, donc parce que là on est sur Belgique, j'ai décidé que je vais arrêter de faire des vidéos sur Belgique profonde. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, je pense que tout le monde connaît la map Belgique profonde et j'ai pas spécialement envie non plus de passer une éternité sur cette map. Surtout que tout le monde la connaît. Sur FS15, elle y était. Donc, il y avait quelques améliorations ici, mais bon, bref. C'est pas très très grand. C'est pas une. J'aime bien Belgique profonde, mais voilà quoi. C'est pas une map que vous connaissez pas, que personne a jamais joué. Alors que tout le monde a joué sur Belgique profonde sur FS15, je pense. Donc voilà. J'ai essayé d'arrêter sur Belgique profonde. J'ai déjà choisi la prochaine map. Donc, la prochaine map, je vais pas vous dire. Donc, ça sera une map qui est sortie sur le mode contest. Voilà. Aussi bientôt chez moi je vais attaquer les moissons. Sur ma page je pense Facebook vous aurez des photos peut-être pas des vidéos, bon, je sais pas. J'essaie de mettre une petite vidéo mais pas des grandes vidéos parce que je filmerai certainement avec mon téléphone portable. J'essaierai de vous filmer un petit peu la moisson. Donc voilà, la moisson de colza et puis on va moissonner aussi chez moi un mélanger d'orge et de facilis. Donc le facilis c'est un couvert végétal. Voilà, on va faire un mélange. Je vous filmerai ça. J'essaierai en tout cas. Donc oui, là, je sais pas si alors, il y a un mode qui est sorti aussi. D'ailleurs, il y a eu les résultats du concours en mode contest. Donc, si, vous pouvez aller voir sur la page Farming, c'est officiel. Celui qui a gagné, c'est un, c'est d'ailleurs c'est le mode saison. Donc, c'est un peu comme le Season Manager. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc, en tout cas, c'est le mode saison. Je sais pas si je le mettrai sur cette map. Franchement, je sais pas. Mais c'est vrai que ça paraît intéressant parce qu'il y a les saisons, tout ça, on peut semer pas n'importe quand, tout ça, et je sais pas donc s'il y a le taux d'humidité. Sur certains saison manager, apparemment il y a le taux d'humidité, on pouvait pas moissonner la nuit, voilà quoi. Sinon, oui, je voulais vous dire que. Là, vous l'avez vu, donc, je suis en train de faire du moisson de maïs. Par contre, je pense pas, je sens que ce sera une petite vidéo, donc, surtout pour vous parler de ces informations-là. Je pense pas m'éterniser sur. Comment dire? Attends, je cherche mes mots. Oui, bah sur Belgique confondre. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, là, ce que vous voyez, ce sera le dernier épisode. Oui, on passe pas trop réel. Donc là, ce sera le dernier épisode. De toute façon, je vais arrêter sur Belgique confondre. Oui, là, c'est pas trop réel ce que je suis en train de passer maïs. Non, je vais arrêter. On va arrêter, là, de toute façon. Je vais vider et puis. On va se laisser là. Hop. Ouais, non, je vais peut-être faire le détourage, ouais. Voilà, les amis. Je vous ai dit, donc, oui, c'est celui qui a gagné. Je me suis dit. Celui qui a gagné le concours du mode contest, justement, c'est celui qui a créé le mode saison. Je sais pas si ça s'appelle le saison manager. Mais en tout cas, il a gagné. C'est lui le premier. Donc, à mon avis, il a dû gagner un sacré de. Je pense, je sais plus il y a combien à gagner, mais en tout cas, il y a de l'argent, une grosse somme. Je crois que ça montait jusqu'à 1200, je sais plus combien. En tout cas, j'espère que. J'espère pas, mais en tout cas, je pense qu'il a gagné ce prix-là. Et en plus, je crois qu'il a gagné. Alors, je crois qu'il y a eu aussi comment dire. J'ai vu qu'il y aurait DLC d'ailleurs. Un DLC que moi j'aurais pas, donc je crois que c'est une extension, je sais plus quoi. C'est peut-être la prochaine extension, d'ailleurs, l'édition Platinum, donc il va peut-être gagner ça aussi. Mais sinon, il va gagner, je crois, un DLC. Mais aussi, il va gagner. Justement. Une visite de l'usine Fendt en Allemagne. Et aussi je crois qu'il a gagné, alors je suis pas sûr, aussi un drone. Mais je suis plus sûr. Je suis plus sûr, je crois que c'est pour le deuxième ou le troisième, je sais plus. Bref, voilà. Voilà les amis. On va les vider. Dès que je suis plein, on ira vider. Bof, même pas, je finis le champ. Je finis la ligne, on ira vider. Voilà. Et puis je pense que les amis, cet été j'essaierai d'être un peu plus actif, mais je pense que cet été ça, bon,
vais réussir quand même à tourner, mais je pense qu'il y aura des moments où je tournerai pas de vidéo. C'est-à-dire peut-être une, deux semaines que je tournerai pas de vidéo. Voilà. Donc on va l'éviter. Hop. Mince. Je vais de là. Hop, je conduis très mal. Hop, on va l'éviter. F4, non c'est pas F4. Ah voilà. Est-ce que j'ai mis le mode est-ce qu'on peut vider directement dans la peine? Non, on peut pas vider, il faut appuyer sur une touche. Hop, ah voilà, c'était là. Voilà. Oui, et j'essaierai aussi parce que bientôt chez moi on va attaquer les moissons, que ce sera certainement mardi ou lundi. On va certainement attaquer les moissons. On va chez moi on moissonne du colza et et on fait un mélange aussi de reste, ce qu'on a semé en courage terre, on va essayer de le récolter. Donc c'est un mélange d'avoine et de facilement, on va essayer de le récolter. Mais du coup, voilà. Hop. Donc j'essaierai de vous prendre des vidéos. Donc pas des vidéos très longues, mais voilà. J'essaierai de prendre des petites vidéos. Elles sont, je pense, pas du tout longues, mais voilà. Histoire de vous montrer un peu les machines. La ferme, donc voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Et ciao tout le monde.